successeurs de Disney. Donc on a mis notre caméra autrement, donc ça sera peut-être pas droit, ça peut-être pas. Mais c'est la première fois qu'on se filme avec cette caméra là, en fait. Sur pour un blind test, donc ça va nous faire très bizarre. Je viens de voir ma gueule à l'écran. Ouais, parce qu'en fait on suit la plus grande. Donc on a choisi celui de Ocean Turner. Voilà. Donc on va donc il y a 10 musiques. Ocean Turner, une dessinatrice qui a fait des super dessins pour nous, qui est des beaux dans le clip de La Belle et la Bête 2, super beau. Oui, tout à fait. Et donc du coup on est désolé si vous entendez pas super bien, mais comme on risque de se faire choper par les robots, on peut pas non plus les laisser trop longtemps. Donc voilà, est-ce que vous trouverez aussi vite que nous? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si on trouve pas, bah engueulez-nous, parce que je crois qu'on n'a pas les réponses de toute façon. Donc, non, on n'a pas les réponses, donc déjà, oui, si vous les avez, vous pourrez. C'est parti. Non, c'est pas fort du tout. Oui, c'est. Ah bah c'est Jack. Quelle folie. C'est Jack. C'est... On va aller plus loin. Voilà à quoi j'ai droit pour toute récompense. Je te fais confiance parce que moi je l'ai vu trop petit. Ouais, on triche, on est deux. C'est ça. Extrait numéro 2. Un truc de l'Ouest. Ça me dit rien du tout. Océane, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très rigolo, mais je peux pas trop le laisser. On va aller plus loin dans la musique, mais je connais pas du tout. C'est pas La Ferme se rebelle ou un truc comme ça? Non. Mais on dirait. On dirait Annie Cordy. J'adore la voix par contre. Mais on dirait Annie Cordy. Face au danger, à la beurre, à la nuit, face au devoir, à la mort, à la vie. Demi croquette. Bon, on peut dire qu'on l'a pas réussi parce que. Ah, mais d'accord, tu nous as pas fait un truc Disney en fait. Mais non, mais d'accord, Davy Croquette, est-ce que c'est pas considéré quelque part par Disney? Je sais pas, moi en fait, j'ai jamais vu de dessin animé Davy Croquette donc. Mais parce qu'il y a le ranch Davy Croquette à Disneyland. Oui, tout à fait. Donc à voir, je sais pas, j'ai vu un dessin animé quand j'étais petit, je sais pas du tout s'il l'a produit ou. Extrait numéro 3. Mais c'est sur des dessins animés. Il est. C'est quoi que tu nous envoies? Ça me dit rien du tout. Alors, Océane, dis-nous qu'est-ce que c'est? Parce que là, on est un peu largués. Ça a l'air très joli. Bah, pour l'instant, ouais. Non, ça a l'air. Ça donne envie de le voir. Ça a l'air très joli, ouais. Moi, je peux pas trop le laisser, mais je suis sûr de l'avoir jamais vu. Bah, ça me. Ou alors, si je l'ai vu, j'ai vu qu'une fois. Oh, mais, tu nous as bien eu, Océane, hein, que, numéro 4. Je connais ça. On va non, mais attends, je connais ça. Mais oui, je connais. Mais c'est Frères des Ours. On est nuls. Bah oui, c'est Frères des Ours. Attends. Mais je connais. C'est Frères des Ours. Bah oui. Mais comment on l'a pas reconnu? On est quoi? Comment? Pardon. Mais est-ce que c'est le 1? Oui. Parce que j'ai jamais vu le 2. J'ai rien dit. What? Alors d'habitude on défonce tout. On a deux erreurs par blind test. Là c'en est un 10. Ah non, mais non, on mais a réussi qu'un. La marqué. 2. Ah ouais, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Là ça va. En fait on est vraiment pro Disney. Bon, on le met un peu fort, je sais pas si vous entendez. Numéro 6. Dingo. Déjà il y a Dingo. Dingo au pays des. Ah, attention, on a cru comprendre, je pense, que Princesse a dû comprendre comme moi, Kékette. On va revenir en arrière, on va voir si on est fou. Elle caquette. Elle caquette, peut-être. La poule. Peut-être. Elle caquette, pas elle caquette. Oui. Mais... Une poule.
fais de la fleurette. J'ai pas compris après, mais... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un truc de dingo, mais alors d'où ça vient? C'est même pas dingo, c'est un court métrage où il y a un petit ours et il y a plein d'autres ours et justement c'est tous les ours disent je t'aime avec une... et ils donnent tous des claques. Ouais. Mais c'est pas, enfin c'est un court métrage, mais je l'ai déjà vu. Excusez-moi si on vous regarde pas beaucoup. Oui, je suis pardon. Désolé. Oh, vous êtes là, c'est vrai. Je mettrai un truc qui bouge. Hein. La bonne blague. Oui, petits enfants. Ou comme Little Children de Hocus Pocus. Je l'aurais pas trouvé. Dans le jardin des enchantements. Mais elle était maline, c'est vrai. Ouais. C'est la peau. Bah, en même temps. J'aurais pas trouvé. Enfin, peut-être plus loin, mais là, tout de suite comme ça, j'aurais pas trouvé. Regardez-moi ça. C'est la version québécoise. Partir là-bas, version québécoise. Donc, comment elle s'appelle? Attendez, je peux la trouver. C'est... Ah, c'est pas partir là-bas. C'est... Sous l'eau. Non. Parmi ces gens. Ces gens. Ça fait un peu... Enfin, ça fait pas raciste, mais ça fait un peu ça, parmi eux. Tu sais, parmi ces gens. Numéro 8, deux fois. Ah. C'est peut-être la même. Ah oui. Donc les deux dernières. Il va te falloir attendre un peu. J'allais dire. J'allais dire la petite sirène. Tiana. La famille et la. La famille. La famille. La princesse et la grenouille. C'est pas la même. C'est la version québécoise. Sûrement, parce que là c'est. Je suis décidé. Trouvez le titre exact, l'ami, j'avais même pas vu. Extrait numéro 10. Mais en plus, tu nous en demandes beaucoup. Violent. La reine des neiges, la chanson des montagnards. Du début, là. La première chanson. Ouais. J'ai pas assez vu La Reine des Neiges pour connaître toutes les chansons. Bon, sauf les plus connues, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, bravo à toi, parce que t'es la première. T'as pris des trucs. Parce que non, moi, je suis curieuse de savoir la deux ou trois, je sais plus, là. Parce qu'on voit que tu nous connais, parce que tu sais aussi que sur cette chaîne, on fait pas que les Disney, on fait des dessins animés de notre enfance et des vieux dessins animés, et c'est bien. Ouais. Parce que du coup, là, on va pas le faire en vidéo, mais là, on va aller bien réécouter les musiques et essayer de trouver d'où elles viennent. Bah merci beaucoup. Merci Océane à toi, Océane. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé avant nous. Sûrement. Sûrement, voilà. Allez, à plus. Salut. Coucou. On est quand même revenu, excusez-nous, mais ouais, du coup, on s'est revenu. On s'est renseigné. Et c'était Quand revient le printemps de Bambi 2. Donc là, tu nous as bien eu parce que moi, je l'ai vu qu'une fois. Et moi, je l'ai jamais vu en fait, donc. J'avais carrément oublié qu'il y avait des musiques dedans en fait, parce que je l'ai vu qu'une fois il y a peut-être 6 ou 7 ans. Donc bravo à toi qui nous a bien eu là sérieusement. Bravo, parce qu'on était, du coup on était parti sur c'est pas un Disney. Mais moi j'étais parti, voilà, je m'imaginais genre Excalibur les plus magiques, des trucs comme ça, je m'étais dit complètement à l'aise. Bah bravo à toi encore une fois. Bravo.